pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Youri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. Et c'est l'heure de votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors il y a 26 ans, juin 1997, débarquait en librairie le premier tome de la saga Harry Potter qui allait devenir l'un des plus grands phénomènes littéraires du monde. Oui, le voilà, Harry Potter, après une dizaine de refus de la part d'éditeurs et un premier tirage seulement à 1000 exemplaires, dont la moitié réservée à l'époque aux bibliothèques. Mais le succès est immédiat. Analyse sur Europe 1 d'une psychologue à l'époque. Ça rappelle la magie de la petite enfance où les enfants pensaient que leurs rêves pouvaient prendre réalité, et même leurs rêves les plus complexes et les plus méchants même parfois. Le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers, se vend à 300 000 exemplaires en 2 ans, puis les autres tomes s'enchaînent. Je pense que ça va être super. Et j'ai mes 3 enfants qui sont en dehors, qui attendent ça, qui vont le lire en rentrant. Je pense que la plupart des gens qui m'ont vu ces derniers mois vont cesser de me fréquenter parce que je ne parle que de ça. Et vous avez lu tous les précédents tomes en anglais déjà ? En anglais, en français, en allemand et en russe. Le style de J.K. Rowling, 100% anglais, l'influence de Jane Austen et de Charles Dickens. Comme lui, Rowling désigne par exemple ses personnages en fonction de leur caractère. Alors au fil des années, 7 tomes d'Harry Potter sortent en librairie et le dernier paraît en 2007. Exactement, et l'histoire d'Harry Potter contient des trouvailles géniales, estime l'écrivain et philosophe Pascal Bruckner, interrogé sur Europe 1 en 2003. Il y a par exemple la lettre beuglante. Vous envoyez une lettre de dispute à votre petite fille et la lettre, quand elle arrive, se met en forme de bouche et se met à hurler comme une mère hurlerait sur son enfant. Simplement, c'est une lettre. C'est une très belle invention. Et en 2007, alors que paraît le dernier livre, une pétition internationale recueille des millions de signatures pour que cela continue. Les fans ne veulent pas que la saga se termine, dit l'actrice Clémence Poésy, qui a joué dans Harry Potter au cinéma. Il y a des gens qui ont grandi avec Harry Potter et qui ne le lâcheront pas tant qu'il sera là. Les gens savent que c'est les derniers épisodes et enfin, ils se disent bon, il faut y aller parce que c'est presque fini. La saga Harry Potter a été traduite en plus de 80 langues. Il existe même une édition en grec ancien et en latin. Merci Laure d'Autriche pour cette page d'histoire littéraire magique grâce aux archives sonores d'Europe 1. Exactement.